Salut à tous les amis, c'est Zeliqus et aujourd'hui on se retrouve sur le ZP alors qu'il fait nuit. Alors, j'ai un petit peu bossé hors caméra, un petit peu beaucoup, j'ai amené pas mal de PNJ, j'ai fait vachement le tri et il y en a encore autant qui ont refait la fête. Alors j'en ai gardé certains, il y en a certains avec qui j'ai beaucoup tradé, d'ailleurs vous voyez que j'ai encore du papier et des émeraudes sur moi, je vais vous montrer tout ça. Va-t'en, toi. Aïe! Va-t'en. Ah non, bon, Lucie, viens me chercher avec les PNJ. J'ai pas tellement envie qu'il les tue. Trucs, ils faisaient des bruits super bizarres. Ok. Donc, j'ai gardé, voilà, donc vous voyez, j'ai fait des petites caches, tout simplement. Donc, j'ai gardé celui-ci, tout simplement, pour avoir du papier, puis parce qu'il donnait de l'unbreaking. L'unbreaking, c'est toujours sympa, même si en soi, j'en aurais plus tellement besoin. Vous allez voir pourquoi. J'ai gardé un prêtre pour la chair de zombie. J'ai gardé celui-ci pour la fortune. Ça sert toujours. J'ai gardé un weapon smith en espérant qu'il me vende des épées en diams. Un tool smith pour la pioche, ça peut toujours être utile. Un autre prêtre. Et surtout ce libraire-là, parce que ce libraire-là me vend mending. Et mending, c'est l'enchantement par excellence. C'est vraiment l'enchantement qui et maintenant le plus utile je trouve. Et vous allez voir que voilà, donc déjà je suis en armure hein, et vous voyez que j'ai déjà pas mal tradé hein, parce que j'ai du mending à peu près partout. J'en ai pas mis ici parce que bon la hache c'est pas le truc qui va s'user le plus vite mais voilà, le mending ça répare tout simplement le stuff avec l'XP. Ce qui m'a tiré dessus hein. Ah non. Donc voilà, c'est vraiment assez intéressant. Vous voyez que j'ai un petit peu fait tourner aussi la ferme à poulet, j'en ai bouffé pas mal. J'ai fait un petit peu de déco, mais je n'en suis pas satisfait. Je remodellerai probablement ça. Voilà, vous voyez que... Ah ouais, bah oui, d'ailleurs, tout le toit a brûlé parce qu'il était fait en bois. Raison de plus pour tout refaire. Donc voilà, donc vous voyez qu'ici moi j'ai gardé de la canne à sucre, donc toute la canne à sucre était en bas, j'en ai fait un champ ici, mais c'est pas beau et c'est pas pratique parce qu'il faut que je reste à côté, il faut que je casse la canne à sucre, etc. Donc on va s'attaquer un peu de redstone aujourd'hui, j'ai un petit peu préparé, vous voyez que j'ai 34 blocs de slime, il me manquerait quelques pistons. Voyons voir, 12 et 12, 24, 24, 36. Donc il faudrait 3 pistons. 3 pistons, est-ce que ce serait assez? Ah. On verra. Enfin, 3 pistons, oui, ce sera assez, mais est-ce que ce sera assez surtout pour ce que je veux faire? On verra. On va transformer un peu de bois, il me faut de la cobble. La cobble, j'en aurai besoin de beaucoup parce qu'il va falloir que je fasse des fours. Vous allez vite comprendre pourquoi. Même le bois, de toute façon, il va en falloir beaucoup. Voilà, je vais déjà faire les 4 pistons, les 3 pistons, pardon. Voilà. Merde, il me manque 3 slime balls. Est-ce que j'en ai encore ici? Que, du coup, j'ai été un petit peu tout chercher et je sais pas s'il m'en reste. Moi ce que... Ouais non j'en ai pas dans l'inventaire évidemment. Dites-moi qu'il y en a 3, sinon je suis obligé de... Ouh, oh, bah, pouf, c'est bon. Ça produit, hein, ça commence à bien produire là, parce que bah je suppose que le fait que j'éclaire bien autour petit à petit, ça commence à jouer un petit peu sur le mob cap. La ferme à mob est pas encore super efficiente, j'ai toujours pas éclairé. J'attends vraiment le ressource pack Danger Zone pour faire ça. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, on a les 3 sticky pistons. On a des fours. Il va nous falloir beaucoup de bâtonnets. Parce qu'il va nous falloir beaucoup d'échelles. Vous allez voir, c'est un peu spécial. Mais c'est une ferme assez sympa. Voilà, 54. On va dire que ça ira pour l'instant. D'ailleurs, je vais la faire en quoi cette ferme? C'est vrai que là, j'utilise que des matériaux. Allez, on va dire de l'andésite. On va prendre de l'andésite, ça va changer un petit peu. Alors,
Où est-ce que je vais la faire? Parce que ça va être une ferme qui va monter en hauteur. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. J'avais commencé à enlever ici en haut et j'ai perdu ma... Enfin, j'ai perdu. J'ai pété ma pelle. Et ici encore, ça pourrait être vraiment sympa. Il faudra juste que je vire ça. Alors, pour faire cette ferme, donc il va nous falloir du sable ou de la terre. Ah mais oui, putain. Pourquoi j'ai pris du... Pourquoi j'ai fait les échelles alors qu'on peut faire pousser sur de la terre? Bon, c'est pas grave, on va le faire avec du sable, c'est plus joli. Sans le sable, c'est pas ce qui manque. Au pire, j'irai faire une rasière encore. Dans... Dans un désert. Alors, on va installer... Encore que, ben non, je vais l'installer ici. Bah oui, je vais l'installer ici, j'ai rien qui gêne. Alors c'est parti. La première chose à faire... Ah! Bon, bah pas ici finalement. Ah là 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 là, ça commence un petit peu à se manger un petit peu tout dessus. Donc on... Allez, on va le faire en haut, on va pas s'embêter. C'est décidé. Hop. Donc vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on a besoin déjà de tout ça. Ces 12, on va les remplacer, hop, par du sable. Et on va péter un petit peu ça aux alentours. Parce qu'on va avoir besoin d'un peu de place. Parce que je vais quand même faire un bâtiment autour. Ici, on a juste besoin de un devant. Je mettrai peut-être du vert, je verrai. Hop. Ah non, mais ouais, non, ici. Il faut que j'enlève ici. Au-dessus, non. Enfin, si, oui, on remarque au-dessus, oui, mais surtout garder la ligne ici. Voilà, surtout ça. Cette ligne-là. Alors, on peut mettre du vert, c'est plus joli parce qu'on peut voir la ferme. J'en mettrai probablement, mais plus tard. Ensuite. Ici, il va nous falloir... alors attendez, que je dise pas de bêtises. Ici, il va nous falloir soit rien, soit des fours. C'est pour ça qu'il faut enlever autour. Parce qu'on va se servir des slime blocks. Pour économiser le fait d'avoir beaucoup trop de pistons activés et que ça fasse des petits bugs. Alors, d'ailleurs, je pense que... Ici, c'est directement le piston. Ouais, c'est ça. Donc, vous placez un piston et vous faites une ligne comme ça de slime block. Ok. Surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut rien ici qui touche les slime blocks. Donc, hop. Voilà. Là, il n'y a rien qui les touche. Bon, de toute façon, après, je libérerai un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous allez voir, c'est tout simple. Hop. On actionne. Putain, mais c'est normal que ce soit si long. Ah oui, c'est vrai, les boutons en bois sont très longs. Donc voilà, vous voyez que ça a actionné toute la ligne. Les 12 slime blocks. Et vous allez voir que si je rajoute normalement un seul bloc, c'est-à-dire un bloc dans d'ici, voilà, ça ne bougera plus. Donc ça c'est assez important, donc 12 de long c'est le plus long possible. Donc ici on va mettre de l'eau, classique hein, pour la canne à sucre. Donc il va falloir refermer, hop, ici. Voilà, histoire que l'eau reste bien enfermé. Donc là, on va avoir de l'eau. Et on va mettre au-dessus des fours. Toutlou, je suis juste en train de réfléchir. Puisqu'on va avoir... Ouais, les fours au-dessus. Hop, ici, on va avoir des fours. Les fours ont la particularité... D'ailleurs, je vais les mettre plutôt dans l'autre sens. Mais va-t'en, toi. Tiens, ben... Voilà, répare ma pioche, c'est très bien.
Les fours ont la particularité de ne pas être attirés par les slime blocks. Du coup, ça en fait des blocs solides sur lesquels on peut poser des blocs, enfin de la redstone ou autre, mais qui ne sont pas attirés. Il y a aussi le melon, la pumpkin, ça fonctionne pas, je crois, mais le melon, ça fonctionne. Ils ne sont pas attirés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui fonctionne? Je ne sais plus. On va juste se faire ici un accès rapide. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Hop. Alors, vous vous êtes dit pourquoi j'ai pris des échelles? Parce que sur ces fours-là, on va poser les échelles. Alors, vous allez voir, hein, ça utilise une compression. Bon, bah non, ça ne veut pas, évidemment. Et donc, sur ces échelles, on va placer des blocs de sable. Hop, 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 hop. J'aurais vraiment dû me faire au moins une pelle en fer. Ah, c'est bon, de toute façon, là, on est quasiment en haut. On va enlever tout ça. Voilà. Donc là, on pose des blocs de sable. Hop. Allez, on va sortir tout ça, au moins une fois que c'est sorti, hein. Allez, allez. Voilà. Au moins, on y verra un peu plus clair. On va aussi enlever cette ligne, tant qu'à faire. De toute façon, après ça, tout ça, je vais le raser. Donc, voilà. On y voit beaucoup plus clair. Donc ici, ça va être donc, comme vous l'avez probablement deviné, une seconde ligne pour la l'eau. Enfin, une seconde ligne pour la canne à sucre. Donc ici, il va y avoir l'eau. Donc, hop, on entoure tout ça. Normalement, ici, c'est merde. Voilà, donc ici, on va avoir de l'eau. Ça, d'ailleurs, je vais le remplacer. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et donc, ben, en fait, même schéma. Exactement même schéma. Ici, piston. Ici, on casse. Les feuilles, il faut surtout pas qu'elles nous embêtent. Hop, ici, slime block. Voilà. Et puis, et voilà, on a déjà deux étages de fait. Et on peut continuer comme ça à l'infini. Après, c'est la redstone derrière qui fera que on pourra le stacker ou pas. Pas pratique ça. Donc, hop, comme tout à l'heure, les fours. Moi, je vais faire quasiment trois étages parce que j'ai que 10 slime blocks restants. Ah, il va faire nuit. Ici, donc, échelle. Hop, hop. Ah, merde. C'est pas grave, elle sautera. Voilà. Et ici, sable. Alors, du coup, on peut mettre uniquement, du coup, de la terre. Ouais, on peut mettre de la terre plutôt que de mettre du sable, mais le sable est plus joli, je trouve, donc bon. D'ailleurs, le design ne vient pas de moi. Je l'ai trouvé sur la chaîne d'Aurélien Sama, qui lui le tenait, je crois, de Xisuma. Je veux pas dire une connerie. Il me semble que c'est Xisuma, mais je suis pas sûr. Hop. Voilà. En haut, on mettra l'eau. Et donc ici, pareil, on va voir. Hop. Hop. Piston. Slime block. Ici, on peut l'enlever. Voilà. On va les faire passer la nuit, on va en profiter pour faire sauter ça au cas où ça fasse
merdouiller le système. On va les faire passer la nuit. Alors, les amis, alors je suis vraiment désolé. Je fais la voix de cette deuxième partie en post-production, parce qu'en fait je me suis aperçu que j'avais complètement oublié de démuter mon micro, j'ai reçu un coup de téléphone, et donc j'ai muté mon micro par réflexe, et du coup j'ai complètement oublié de le réactiver, donc voilà. Je suis vraiment désolé. Donc là j'ai crafté deux slime blocks de plus, parce qu'il m'en manquait donc pour en haut. J'ai oublié quelque chose, évidemment. Du fer. Ah oui, pour faire un bucket, un seau d'eau de plus. Ce sera beaucoup plus pratique pour remplir les canaux d'eau. Tac, 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 tac. Hop. J'aime beaucoup les nouveaux bruitages d'eau qu'il y a. Voilà, donc là on va en profiter en même temps pour récupérer toute la canne à sucre. Vu que elle ne sera plus là à terme, elle sera dans la machine. Hop. Et puis alors c'est vraiment le pire système que j'ai fait pour la canne à sucre ici. Parce que je suis obligé d'aller dans tous les petits trous. Parce qu'évidemment toute la canne à sucre tombe dedans. Donc je suis obligé d'aller fouiller dans tous les petits trous pour la récupérer. C'est vraiment assez embêtant. Il ne va plus rester beaucoup. Voilà, on a tout. Hop là. Allez, c'est reparti. Tic, tac, tac, tac. Oh, oula. Elle meurt. Puis alors, vu qu'en plus on est obligé de timer les attaques maintenant avec la 1.9, c'est assez compliqué derrière d'aller fracasser du mob ou quoi. Donc voilà, donc là on va déjà commencer par remplir les canaux d'eau. Sinon on peut tout simplement pas planter la canne à sucre. Hop. Voilà. Donc là, on remplit tout ça. On récupère de l'eau pour faire les étages au-dessus. Je crois que j'ai fait deux étages. De toute façon, à terme, je mettrai quand même 5 ou 6 étages. Comme ça, au moins, j'aurai une réserve de papier. Ah non, j'ai mis 3 étages, c'est bon. J'aurai comme ça une réserve de papier assez conséquente. Ce sera pas mal. Hop. Donc là, ici, bah, putain. Donc là, en fait, j'ai rebondi sur le slime block. Je suis arrivé un petit peu trop fort sur le slime block. Du coup, j'ai rebondi. Voilà. Donc là, ben, même technique, on remplit tout le canal d'eau. Voilà, on remplit les seaux. On met la canne à sucre et on est reparti. Hop, le dernier. On commence par remplir d'eau. Et voilà, tout est stable, c'est bon. Ensuite, on va mettre donc les deux slime blocks qui me manquaient. Voilà. Hop là. Donc là, évidemment, devant, donc là où il y a les blocs de cobble que je suis en train de casser, justement, il y aura un grand mur de blocs. Donc j'ai mis du verre. Je l'ai mis hors caméra. Ce qui a fait que j'ai cherché beaucoup de sable. Et pendant que mes épisodes sont en cours de plus de montage, ça me laisse du temps quand même. Donc j'ai été chercher, je crois que c'est 2 stacks de sable que j'ai dû passer à peu près pour faire du verre. On peut aussi aller en plus simple, hein, en mettant n'importe quel bloc en fait, hein, n'importe quel bloc solide. Donc ça aurait très bien pu être de la terre, c'est juste que du coup c'est assez sympa de voir la machine. Surtout que je vais quand même essayer de la faire assez sympa, mettre des murs sur les côtés ou quelque chose
pour la rendre un peu moins laide, parce que bon là c'est vrai que vu comme ça, dans le vide ça fait un peu bizarre, donc essayer de faire un petit bâtiment. Faudra que je regarde ça. Mais bon. On n'y est pas tout de suite. Donc là je vais essayer de faire un système de redstone qui au final je ne vais pas garder. Pour la simple raison que j'avais mal disposé le dispenser. Et c'était un peu chiant à faire. Vous allez voir, donc là c'était tout simplement un timer qui est assez connu, qui date d'il y a déjà très longtemps. En gros, c'est on fait pop un item sur une plaque de pression. Et quand l'item despawn, naturellement, eh bien, ça va renvoyer un courant dans le dispenser pour recracher un item, et donc ça fait une impulsion pour la machine. Au final, j'ai pas gardé ça parce que déjà c'est quelque chose qui ne pouvait pas tourner non-stop, c'est-à-dire que même si je remplissais les 8 stacks d'items, bon ça faisait 64 x 8 x 5 minutes, ça faisait quand même pas mal. Mais au final, c'est quelque chose qui ne sera pas utilisé, même si c'est très pratique. Parce que du coup c'est un timer pour vraiment pas cher, hein. C'est une plaque de pression, 3 bouts de redstone et de la cobble à foutre dans le dispenser, c'est vraiment rien. Donc au final vous allez voir, je vais essayer de le designer, mais je vais pas du tout garder ça. Je vous montrerai donc le système en redstone dans le prochain épisode. Parce qu'au final j'ai aussi fait ça après avoir été chercher le sable et pendant que le verre cuisait. Ah bon, juste là évidemment je suis full, donc je peux pas récupérer le bouton. Hop, voilà. Parce qu'en fait il faut que je fasse aussi revenir le courant de dessous ou derrière le dispenser pour le réactiver. Le truc en plus c'est que je l'avais placé légèrement trop proche, du coup c'était un peu embêtant pour faire passer, puis surtout j'avais complètement oublié de faire donc un pulse c'est un pulse Lenzner ou un pulse limiter que ça s'appelle? J'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur le fait que ce soit un pulse Lenzner ou un pulse limiter. C'est quand on envoie une impulsion non-stop et qu'on en fait juste une impulsion à 0,5 tick. Ouais, c'est ça, c'est 0,5 tick. Si j'en ai utilisé un dans l'autre système, j'ai mis tout simplement une cloque avec un hopper et puis basta quoi. Et d'ailleurs en fait j'aurais pu faire encore autrement. J'aurais pu faire le même système, exactement le même système que la ferme à mob quasiment. Tout simplement. Même si c'est même pas quasiment, j'aurais dû le faire. Donc voilà, bon là par contre la vidéo vient de se terminer parce qu'en fait c'était là où je disais au revoir et j'ai pas fait gaffe. Donc je vous laisse là pour cet épisode, je suis encore vraiment désolé, et je vous donne rendez-vous dans le prochain. Allez, salut salut!